les cul d'ours, alors c'est ainsi qu'on appelait les vignerons dans la région de Bourgarde, dans la région de la Châte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habillés à l'époque de velours couleur châtaigne, et ils travaillaient essentiellement la main, et donc de loin ils avaient toujours donc les muscles fessiers proéminents derrière, etc. Et on les voyait de loin, et dans les vignes, ça ressemblait grosso modo à des derrières d'ours, cul d'ours brun. J'étais responsable du lycée agricole de la Châtre. Avec mes élèves, on a restauré une loge de vigne, mes élèves et puis des entreprises, bien sûr. Hein. On avait monté un dossier à l'époque. On a replanté une vigne, on a mis 2 ans pour désherber chimiquement et mécaniquement, et on a donc replanté une vigne. Le but étant d'essayer de faire en sorte qu'on revalise d'abord l'image du vin et puis du vigneron. Donc voilà, le problème, c'est de créer une dynamique autour des loges de vigne. Il y a certaines régions de France où il y a déjà des circuits. Je suis membre de l'association depuis une dizaine d'années, et j'étais notamment en charge avec Monsieur Guittard de travailler sur l'élaboration donc des circuits de loges de vigne, hein, puisqu'on aurait censé plus de 200 cabinets de vigne sur le canton de la Châtre, donc ce qui est quand même relativement important. On a donc réalisé un premier dépliant touristique sur 45 loges de vigne. Et le but, c'était donc de faire un deuxième dépliant qui a été réalisé fin juin. Et on a profité de ces deux dépliants qui ont eu beaucoup de succès, puisque le premier est pratiquement épuisé. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de visites, notamment au mois de septembre dernier, beaucoup d'Anglais, quelquefois qui se sont fait prendre la photo avec les propriétaires de loges de vigne. Ici, on parle beaucoup de Georges Sand, mais dans l'historique de la région, il n'y a pas que ça. Ça permet de comprendre un peu comment était cette région paysanne, vigneronne. Au-delà donc de l'émulation créée pour restaurer les loges de vigne, on essaye aussi de maintenir un minimum le patrimoine viticole avec des vignerons amateurs, évidemment. Et pour créer cette émulation, une espèce de rencontre, donc on organise en début d'année, au mois de mars, un concours complètement amateur où là les gens se rencontrent et donc montrent leur production de l'année. Il y a déjà un côté convivial, sympathique, hein, déjà ne serait-ce qu'au niveau des vendanges qui sont réalisées. C'est le moment d'un échange, et nous on est un petit peu leur porte-parole dans nos chapitres, hein, quand on fait des échanges avec d'autres confréries vineuses aussi et également. On est attaché aussi au vignoble, et puis là vous êtes ici au milieu de notre vigne avec les vendanges qui ont été faites la semaine dernière. Voilà. La loge de vigne qui était pratiquement en ruine, on l'a restaurée à l'époque avec des entreprises, etc. Une loge, les plus classiques, c'est la loge que vous avez derrière, qui est une loge à deux pans, le toit à deux pans. Et des ouvertures, une porte et une fenêtre côté soleil levant, une cheminée en angle droit. Alors d'abord, il y a une lucarne berrichonne. La lucarne berrichonne, c'est caractéristique parce qu'il va dans les combles. On accédait à ces combles par la lucarne berrichonne avec une échelle qu'il y avait à côté de la cabane. Alors, vous pouvez observer le linteau en pierre taillée, hein, qui est au-dessus de la porte. De chaque côté, les montants également en pierre taillée. Et cette lucarne berrichonne, donc, elle a un seuil en bois qui est assez épais. Les montants également, ce qu'on appelle le fronton également en bois. Là. Alors, la surface des loges, un petit peu moins de 10 mètres carrés et un petit peu plus de 15 mètres carrés. Carré ou rectangulaire, ça dépend. Donc on fait un circuit qui nous emmène à travers donc ces loges. On essaye aussi de parcourir, aussi de voir les quelques vignes restantes qui sont encore en état. Le slogan, c'est patrimoine, culture, gastronomie, accueil. Et on pourrait ajouter, et bien sûr, le tourisme.